bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur Diplomacy is not an option. Qu'est-ce que c'est que Diplomacy is not an option? C'est un jeu de tower defense, la stratégie, en gros un mix entre Zerbillion et Castle Story, moi je le classerais comme ça. Un jeu que j'avais complètement mis de côté, qui était en early access, mais qui va sortir en 1.0 en septembre. Et pour l'occasion, Dour407, le développeur que je remercie ici, m'a permis de tester une petite version preview du jeu. Donc on va pouvoir notamment jouer à la campagne. Dans la version de base, la campagne c'est deux missions, histoire de voir un petit peu ce que c'est. Là on va voir vraiment une vraie campagne pour... Enfin, elle n'est pas complète, il n'y a pas encore tout. Mais un vrai aperçu de ce que ça va être au final. Notamment, on va pouvoir choisir des côtés dans la campagne. Si on veut faire la campagne classique, si on veut passer du côté des ennemis ou du côté de différents autres ennemis, il y aura a priori 6 factions possibles dans la campagne finale. Là, on en a 2, le roi, enfin les armées royales et les rebelles. Donc j'ai juste démarré la première mission de campagne pour pouvoir arriver au moment où on va devoir faire notre choix. Comme ça, on va pouvoir regarder ensemble ce que ça donne. C'est parti. Alors, également, le jeu est en français. Ah oui, alors non, je me suis gouré, c'est pas du tout l'autosave que je voulais charger. C'était la campagne. La campagne. Campagne, campagne, campagne. Voilà, c'est ça. J'ai fait du coup l'Easeway et on est rendu à Pandaren. Donc comme je le disais, le jeu est intégralement en français, normalement c'était pas prévu, mais visiblement il a pu la sortir un peu plus à l'avance, c'est plutôt très cool. Et on va se lancer. Alors y a le jeu, je vous préviens, je vais les laisser parce qu'elles me font délirer, mais il y a des cinématiques qui sont assez longues, parce que le jeu se tape un trip sur son histoire, et du coup je vous laisse en profiter, c'est vraiment très 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 bon. Alors, prétextant succomber à l'impulsion la plus noble de votre âme, voulant sauver votre prochain, vous avez fui l'ennui sans fin de la maison et vous êtes précipité pour aider votre oncle. Alors, dans l'histoire, on était le seigneur là, de l'Easeway, on se faisait un peu chier, il y a des rebelles qui nous ont attaqués, qu'on a repoussés, et notre oncle nous a écrit en disant nous aussi l'attaque, c'est la merde. Et du coup, on fonce. À la grande porte, personne n'est venu à votre rencontre, et le château de votre oncle semble ravagé comme si une paire, voire deux paires, de dragons s'étaient accouplés sur son toit. Vous étiez sur le point de fuir lorsqu'il s'est avéré que vous n'avez pas assez de provisions pour le voyage du retour. Vous avez donc fini par monter dans les appartements du seigneur de Pandaren. On va se mettre en difficulté normale. C'est parti. Ça c'est fait. Alors il y a une langue spécifique au jeu. Bosmino Korotu
Luzuntu Ferdinand Baramboulou, Rebele Gandurusse, Marmai Ramnidire, Yaramberes Commandara, Merenderic Kundarere, Berdebos Minus Amarein, Baramber Kulubiridi, Boroham Teregandere, Garamere Horuntutu Penderein, Leberin Gundaraltundi, Gorunduru Garabet Scott Labidla, Meregidru Maramendra Manatstutra, Erimberin Borungetri, Nissato Kurukulki Kurutti, Baramenere Borododo, Borumpere Karanti. Zoberi. Nerembere cantuttu. Gadadra. Le roi, quoi. Kiloppi gridli. Et ben voilà, ça c'est fait. Du coup, 4 mai 1491, des milliers de paysans de tout le pays se rassemblent sous la bannière d'un certain Scott le Sanguinaire. Le château de mon oncle est le dernier obstacle sur la route de ces renégats qui marchent vers la capitale. Le roi Ferdinand II, le Gros, m'a ordonné d'arrêter à tout prix le traître et ses troupes. Donc on va avoir 6 vagues d'attaque et il faut qu'on tue également tous les ennemis dans la zone, sinon ils rejoindront la dernière vague d'assaut. Donc on peut choisir de se battre aux côtés du roi, montrer aux rebelles de l'arrière-pays qui est le chef et écraser-les comme un cafard à l'imposteur qui leur sert de chef. Ou alors, on peut donner une leçon au roi tyrannique et prendre le parti des opprimés. Et donc du coup, dans la campagne, on aura régulièrement des choix comme ça qui nous demanderont de prendre parti. On va choisir le peuple pour cette fois. On va tenir tête à la tyrannie. Vous deviendrez un traître à la couronne. Le roi ne vous pardonnera pas et vous ne pourrez pas retourner aux tâches qu'il vous demande d'accomplir. En outre, le chemin d'un combattant du régime est épineux et les missions à venir seront beaucoup plus difficiles à accomplir. Et on n'a pas peur. On y va. Du coup, on se retrouve à River Fork. Donc là, les chemins sont fermés. Hein. On ne peut plus retourner ici. Vous avez fourni à Scott le Sanguinaire vos meilleurs hommes et permis aux rebelles de poursuivre leur marche sur la capitale sans encombre. Il vous a donné sa parole qu'il serait sur le trône dans une semaine et qu'il vous remercierait royalement. Mais, avant que les braises ne soient éteintes, Scott le Sanguinaire est revenu avec une armée en déroute et les yeux écarquillés de terreur. Le roi sait que vous avez fait sécession, et toute une armée est en route depuis Penderen pour mettre fin aux troubles. En tant que traître à votre prix, avec une grosse prime sur votre tête, vous avez été contraint de fuir vers le sud avec les forces restantes de Scott le Sanguinaire. Ok. Donc là, on va changer un petit peu du gameplay classique. Tout est perdu. Pour la deuxième semaine, nous battons en retraite, les vivres s'épuisent, l'armée du roi nous poursuit partout dans Samrinia. Nous n'avons pas d'autre choix que de trouver une place forte et nous préparer un siège. Alors, repousser les attaques ennemies, tuer tous les ennemis dans la zone et Scott le Sanguinaire doit survivre. Ok, alors. On est parti. Qu'est-ce qu'on a? Pas mal de choses. On a déjà 4 maisons de niveau 1. On a un autre hôtel de ville, donc l'hôtel de ville c'est le bastion qui ne doit pas périr, si jamais il est détruit, on perd la partie. Et il va nous fournir des constructeurs et de quoi stocker diverses valeurs. Ici on a Scott le Sanguinaire, ok parfait. Qui a un cavalier, donc s'il charge il fait plus de dégâts. Et il est robuste, il ne peut pas être projeté par des explosions. Et on a tout un tas de rebelles, avec une fourche. Rebelle avec un bouclier, porte-drapeau rebelle. Un paysan portant le signe du piquet qui terrifie ses ennemis et inspire ses alliés. Ah oui, ça fait peur. Rebelle avec une fourche. Alors lui, il a un d'attaque. Le rebelle avec une fourche, il a 2. Avec un bouclier, il a 2. Globalement, c'est de la daube. On a 4 portes ici. Qui a un gros marteau. Attaque de zone, ok. Donc globalement, on a une petite armée, mais ça va pas non plus courir très loin, quoi.
Alors, Scott le Sanguinaire et ses hommes vous ont confié leur vie. Vous seuls pouvez préserver la cause pour renverser la tyrannie. Les forces auréales sont presque là. Donc, on va lancer quelques constructions. Alors, on a déjà un petit peu de maison d'avance. Là, on voit que c'est grisé, donc on va recevoir 13 personnes. Jusqu'à hauteur de 50. On a pas mal de bois, on a un petit peu de cristaux d'âme. On n'a pas de thunes et on consomme 34 de bouffe par jour. Alors, au début, on va déjà sécuriser un petit peu la nourriture avec des petites maisons à baies et un truc de pêche. Et on va aussi commencer à ramasser du bois. Tant qu'à faire, on va le mettre proche de là, puisque c'est ici qu'ils vont à la base emmener toutes les ressources. Et on va faire un petit tour de ce qu'on a autour de notre... Ah d'accord, il y a direct une vague qui arrive dans 3 minutes là. Et elle arrivera de par là. Ok, donc on va aller... On va aller surveiller par là. On a une catapulte rebelle. Catapulte improvisée par les paysans. Elle bouge malgré une conception bien approximative. Ok. Alors on a 0 archer. Est-ce qu'on peut déjà fabriquer 2-3 trucs? Alors on a 0 archer, donc faire des portes et compagnie, c'est pas très utile. On peut faire une tour. On va la mettre en priorité 1 pour poser notre catapulte dessus. Ça fera pas de mal. Et le reste de la troupe va devoir faire avec ce qu'on a. Faire 2 maisons. Approche-toi. Partons du principe qu'ils vont apparaître par là, donc ils vont arriver ici, mais ils pourraient arriver par là. Normalement, sur les tours, on peut déployer l'artillerie. C'est ça. Ah la vache. Ah oui, on a direct ici le petit campement qui fait pas plaisir. On va se préparer à combattre dans la zone de l'artillerie. On va balader avec notre petite cavalerie. En attendant, on construit, on commence à faire de la nourriture. C'est parfait. Il va falloir qu'on fasse du bois assez vite également. Donc la nouvelle population arrivera à chaque début de journée. Elle est proportionnelle au nombre de maisons que vous avez. Et elle ne peut pas déplacer le maximum de... d'emplacement d'habitation que vous avez, bien évidemment. Quant à son L4 d'attaque, 8 d'attaque ici, et nous on a des pauvres péons. En plus ils ont des fourches, mais ils ont même pas de bonus contre la cavalerie. C'est quoi cette formation bizarre là? Formation actuelle, ligne étirée, ligne normale. Donc première ligne, on peut mettre tout ça, mais eux sont censés être devant normalement. Donc pourquoi ils font un truc bizarre comme ça? Je veux de la ligne étirée, s'il vous plaît. Ouais, ça change pas grand chose. Est-ce qu'on n'essayerait pas d'attirer un peu là de monde là? Histoire de commencer à les nettoyer. On fait une petite charge. Demi-tour. Voilà, au moins on va voir un petit peu ce qu'on vaut. Ah ouais, directement les mecs ils meurent quoi. Ok, on peut invoquer des trucs. Oh la catapulte qui a chié quoi. Ah ouais, on s'est fait dépouiller quoi. D'accord, ça va pas être simple. Du coup, on va quand même rajouter quelques murs. Et on va mettre les gens derrière. On va laisser la catapulte faire le taf pour commencer. Alors, on a plein de gens qui sont arrivés. Il faut qu'on fasse plus de bois. Clairement, là, il va nous falloir du bois.
C'est complètement la merde. On va pas se mentir, nos rebelles ils sont un petit peu mous. Allez les bâtisseurs là. Est-ce qu'on peut faire d'autres bâtisseurs? Non, il nous faut 20 de bois. Construisez-moi quelques murs histoire de les ralentir. On a des... Ouais non, on a même pas moyen de mettre des pièges encore. Bon, on va essayer de faire en sorte que la catapulte diminue un peu le nombre. Hein. Non, reste dans le bâtiment, s'il te plaît. Cible la plus forte, cible la plus forte. Alors c'est un peu comme dans Zerbillion, hein, on voit qu'il s'approche, mais c'est pas forcément signe que tout va arriver par là. Ça peut totalement se séparer. Alors on a un petit peu de bois, on va devoir faire un cimetière et des mecs pour enterrer les cadavres. Sinon ça va nous apporter de la maladie. Alors avec quoi ils arrivent? Des héros royaux, du fantassin. Ok. On va invoquer des mecs ici pour les fixer à portée de la catapulte. Revenez par là. Laissez les catapultes faire le taf. Tire là-bas. On réinvoque du monde. On est encore à portée là. Ouais, c'est bon. Tenez la position. Ah mais il y a encore du pécor là. Dans vous. Ok, il va falloir vachement plus micromanager là, on dirait. Toi, viens devant. Toi, charge. Non, on les a presque pas tués quoi, c'est ouf. Et elle les tire hyper mal en plus, elle est infoutue de bien viser. Allez, une petite charge. Ah mais, essaye de bien viser, bordel. Ok, la campagne des... Mais toi, t'es un mec invoqué, là. Viens filer un coup de main. Ok, on a réussi la première vague. Et le vil usurpateur du pouvoir appelle cela une attaque. Pfa ! Bande de misérables imbéciles au service de l'exploiteur des honnêtes citoyens de Saint-Marigrat ne busera jamais notre volonté d'être libre. Ouais, alors c'est pas fait encore. On va se lancer dans une caserne parce que quelque chose me dit qu'on va avoir besoin de faire de la troupe. Mais genre, faire de la troupe, quoi. On va faire une scierie de plus ici. Il nous faut... un apport en bois beaucoup plus important que ça. Beaucoup, beaucoup plus important que ça. Alors, une mine de pierre. On peut en faire une ici, une là, c'est mieux. On va commencer à accumuler un petit peu de pierre. Très bien, il y a des gens qui nous attaquent là. Lui, quand on le fait courir, il est capable de one-shot les ennemis. Quasiment. Ici, il y a quelque chose qui nous envoie des trucs. On va passer en réparation automatique aussi. Ça fera pas de mal. Il y a déjà une autre vague qui arrive, là. Putain, mais ils sont hyper nombreux, quoi. C'est ouf.
La caserne nous permet de recruter. Ah, elle nous permet de recruter des gens normaux. Excellent. Pas autant. Ou des archers. Du coup, ils vont arriver de par là. On va faire. Essayer de faire des portes là-bas. Ok, bon, bah, on va laisser tomber nos péons. Ça, c'est clair, on va laisser tomber les péons. Toi, tu sors, tu viens là-bas. Voilà, déjà, on a quelques archers. On va faire une porte. Par là. On va faire d'autres maisons. Mais on a encore du potentiel. Allez. Les deux rebelles là, ils vont pas faire long feu. Ça c'est clair. Qu'est-ce qu'ils foutent mes constructeurs là? Non, faut me faire ça. Arrêtez les conneries. Hein. On va faire une tour. Juste ici pour mettre ça dessus. Les archers, ils iront sur la dans la porte. Et on va pouvoir faire ça. Non, il ne reste plus qu'un mec. Zut. Vu qu'il ne reste qu'un mec, on va faire des archers. Allez, c'est parti. Bon, là, avec eux, on devrait pouvoir s'en tirer un peu mieux, je pense. Niveau force de frappe, on va dire. Au niveau des techs, on va aussi prendre ça. Allez, la catapulte. Tu montes là. On va foutre un maximum d'archers. Alors, il pourra arriver de ici ou par là, du coup, vu la zone. On va regarder un peu par où ils viennent. Alors là, il faut qu'on ouvre la porte parce que sinon nos bûcherons vont être tout couillés. Tac. Ici, on complète. On va surveiller s'ils ont l'air d'aller plutôt par là ou plutôt par là. Niveau bouffe, on est un peu juste. Mais on a récupéré du monde. Alors pour avoir un nombre pair, on va faire une autre petite cabane de baie ici. Et je pense qu'il va nous falloir du pêcheur. Toi, t'as déjà terminé, il n'y a plus de bois. Vas-y, dégage. On va te déplacer ici. Alors, visiblement, il passe plutôt par le haut. Research complete. Ils arrivent plutôt par là, semblerait-il. Vous restez en tenir la position. Bon, du coup, notre défense est tournée face à de la caillasse, mais je pouvais pas vraiment le savoir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, ça c'est du lancier. Ouah, 3 contre la cavalerie, donc va pas falloir que notre mec y aille. Ils ont tué le gros là. Ah putain, ils ont tué le gros. Bon bah, il va nous falloir invoquer encore un coup. Hein. Il nous reste des archers. Hein.
Des unités de corps à corps. Bah, il se fait tellement défoncer par les lanciers, quoi. On peut kite un minimum. Allez, 400% de dommages là. Ah, c'est clair que c'est pas les mêmes que les. C'est pas le même fight. Ah putain, puis on se fait attaquer de l'autre côté en plus. Oh la vache. Tout le monde là-bas. Go. Ah ouais, bah ouais, je sais, la city est under attack, hein, qu'est-ce que je vous dise, moi. Ok, il va falloir qu'on sacrément diminue tout ça. On va prendre les réflexes de la mangouste pour nos amis épéistes, et il nous faut d'autres maisons. Beaucoup, beaucoup d'autres maisons. Plus de bois. Bon, toi, tu vas rester là parce que tu dois survivre. On va essayer d'aller faire tomber un peu les trucs qui nous envoient des attaquants, là, parce que... Pas simple. Ah putain, mais non, pas toi. Excusez-moi, j'ai oublié de le remettre en 1, voilà. Et salut Prilcop, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Excuse-moi, je crois que je sais pas quand est-ce que t'es arrivé exactement, je t'ai concentré sur mon truc. Parce que c'est pas simple, là, il faut plus de micro-gestion effectivement dans ce mode de campagne. Hein. Quand on attaque les pécores, c'est pas la même. Alors là, on a peut-être assez pour faire l'obélisque. Il est là, je crois. Non, c'est 32 pierres pour faire l'obélisque. Il nous faut plus de pierres. Là. Il nous faut plus de pierres. Et on a terminé la tech là. On va prendre ça. Et on va commencer à faire du petit grenier. Mais qu'est-ce qu'ils foutent nos constructeurs là? Ah mais on a toujours pas fait notre maison des bâtisseurs là en plus. C'est pour ça. Salut Akat, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Sois le bienvenu. Ce jeu est trop bien, je suis d'accord. Alors là, du coup, on est sur la campagne, donc la preview de la campagne où on peut désormais jouer les méchants. Enfin, les méchants. Pas forcément les méchants, d'ailleurs, mais le peuple, on va dire. De premier abord, ça pique le cul. Allez, ramasse ça. Toi, tu vas aller ramasser ça. Voilà. Parce qu'autant dire que attaquer l'armée royale, c'est pas la même robustesse que le rebelle moyen. Et en plus, les vagues arrivent direct. Donc là, on a 5 jours, mais les premières vagues, elles sont arrivées direct dans notre cul. Et on l'a bien senti passer. Alors, on a pas mal de bois. On va en profiter pour faire un petit entrepôt ici pour optimiser ça. Et peut-être compléter un peu nos défenses. Genre là, j'aimerais bien une porte. Voilà. Et tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça, c'est bon. Là, on est bon.
Une deuxième cabane du pêcheur, ça pourrait être pas mal aussi. Mais il nous faut du... Il nous faut du gens. Ah, il nous faut du gens. Donc on va se faire encore un petit quartier. Voilà. Alors on va se remettre en formation pas étirée. Voilà, comme ça les mecs sont au milieu là. Ok, c'est parti là, faut aller kite les gars. Research complete. Waouh, on prend tellement cher. Là on a quoi? Les chaussures confortables. Hein. Ouais, c'est parti. Alors contrairement au combat avec les pécores, là on va avoir de la perte. Hein. Là on a de la perte. Hein. Fait pas bon être épéiste dans ces armées. Ah non, clairement pas. Non. On va étendre parce que là il faut qu'on aille ramasser les cadavres là où ils sont. Alors, qu'est-ce qui reste ici? Est-ce qu'il reste de l'ennemi? Ouais, il reste un mec derrière, là. Un lieutenant. Qu'est-ce qu'il fait, le lieutenant? Ils servent d'exemple aux simples soldats sur la façon de mourir avec honneur. Parfait, viens mourir. Ça me convient. On va faire un peu plus de bouffe. Ah non, c'est vrai, il faut du... C'est pas le bois qui nous pose problème, c'est les gens. Et c'est bientôt la journée, donc c'est bon. Ah putain, on a trop de morts, on a une maladie qui se répand. On a perdu un peu de bouffe, mais c'est pas super grave. Bon, déjà on a nettoyé ce qui a priori nous emmerdait sur ce front-là. On va les découvrir par ici. Les officiers, c'est à ça qu'ils sont meilleurs, tout à fait. C'est le fossoyeur qui est malade, ça change pas. Alors il va falloir qu'on fasse un hôpital, mais pour faire un hôpital, il faut qu'on ait l'hôtel de ville 2. Et pour l'hôtel de ville 2, il faut 150 de bois et 100 de pierre. Ce qui est pas si loin. Ce qui est franchement pas si loin. On va économiser un peu. Tu te soignes toi? Putain, qu'est-ce que tu te soignes? Lentement. Vache. Ok, on va pouvoir ressortir quelques épéistes pour défendre notre ligne d'archer. Sachant qu'il faut qu'on tue tous les ennemis de la map, tout simplement, parce que si on les tue pas, lors de la vague finale... Ah putain, il y a de nouveau un assaut, là. D'où ils sortent? Ok, il doit y avoir un autre truc par là. Bah, vous, là, go. Allez sauver votre seigneur. Ça aurait pu être cool du multi sur ce jeu, c'est vrai. Mais bon, cela dit, ils ont déjà ajouté quand même beaucoup de choses. C'est déjà pas si mal, là. Bon, j'ai bien fait de laisser là, lui, mine de rien, parce que... Ça évite les gros relous qui voudraient nous tomber dessus. Sachant qu'en plus, ici, défensivement, on pourrait s'appuyer un peu sur ça. Allez, go. Alors, les recherches. On va prendre la durée de vie des bâtiments parce que ça va nous être utile encore, je pense. Ici, on pourrait faire notre ligne de défense par là, du coup, plutôt. Ouais, quoique, là, il y a de quoi accumuler du péon. Ouais. On verra. Pour l'instant, la priorité, c'est qui nous envoie des ennemis par ici. Ah, il y a du mort-vivant. D'accord. Il y a du mort-vivant. Il y a du mort-vivant. Ok, excellent. Et bah, on va devoir rapidement fortifier tout ça, du coup. Vous venez par là. Alors, il nous faut 150 et 100. Est-ce
Est-ce qu'on peut se faire un peu plus de pierre? Là, il y a de la mine de pierre, mais c'est pas hyper ouf en termes d'accès. Ça, c'est du fer, on en a pas encore. Ici, il y a plein de pierres. Bon, là, la scierie là, qui est pas hyper bien placée, elle nous bloque la pierre. Mais là, il y a pas mal de pierres. On a plutôt nettoyé cette zone. Allez, on va faire deux mines de pierre là. Et donc du coup, si on n'enterre pas les gens, ils ressuscitent et ils sont pas contents. Oh sérieux, il y a des catapultes en plus. La vache. Une fois la 8.28 sur Steam. Ah bah très bon jeu également. Y a rien à dire sur Thronefall. Ok, alors c'est quoi ces mecs avec des méga épées là? Champion royal. En arrière, je sais pas pourquoi la catapulte nous tire dessus, mais reculez. Tenez votre ligne. Allez, eux, lui, on le défonce. Ok. Il va nous falloir vachement plus lourd que ça, bordel. Est-ce qu'on peut faire un bâtiment pour avoir les péons? Non, j'ai pas l'impression. On peut faire l'obélisque, par contre. Ah, mais non. Il faut qu'on attende. On a nos 100 de pierre. Quoique, la maladie a l'air d'avoir disparu. Alors, soit il est mort, soit ça a disparu. Non, il est pas mort, il est là, notre petit mec. Bon, on va quand même le faire, parce qu'on va en avoir clairement besoin. On n'est pas sur Soul, la catapulte, c'est easy. Alors oui, sauf quand t'as 2000 chevaliers royaux qui te bloquent le chemin et qui te balancent sur la tronche. Mais sinon, oui, c'est easy, je suis d'accord. Ce qui veut dire que, du coup, avancer notre ligne de front par là serait faisable. Pas simple, mais faisable. Donc je pense qu'on va donner cet ordre. On va demander un peu de... non. On va pas le faire parce qu'on veut ça. Voilà. Apprends à économiser le signe. Apprends à économiser. Research complete. Alors, on a terminé notre recherche. Ça c'est 50 de bois. Ça c'est 40 de bois. Celui-là il fait quoi? La guilde des constructeurs, ok, c'est pour augmenter la vitesse de déplacement des constructeurs, très bien. On va se rajouter une petite maison. Toi, va chercher ça. Ici, on va continuer d'explorer en espérant qu'on tombe pas sur des méga gros camps. Il va nous falloir des vraies armées là pour nettoyer la zone. En général, dans la mission de base, on se baladait avec notre petite armée de base et puis en échange d'un peu de kite, on arrivait. Mais là, ça va pas déconner. Jacuzzi pur cuisine dans un coin, là. Calme, Prilcop. Bah écoute, j'en prends note, mais il se pourrait que y ait quelques morts-vivants qui arrivent dans ta piscine si jamais, ils sont taquins. Alors, une fois qu'on aura ça, on va pouvoir aller chercher les mines de fer et des guérisseurs. Les guérisseurs vont bien nous aider, je pense. Sur ce début de map. Ok, pour le moment, c'est à peu près clean sur ce truc-là. Donc, on va aller épurer un peu ce qui se passe au sud de notre campement. Alors, on a l'hôtel de ville. Est-ce qu'on peut direct lancer ça? Oui, c'est parti. Et avec ça, il faut 25 de pierre. On peut lancer un petit hôpital. Ouais, on va en avoir des malades de toute façon, là, clairement.
Donc allons-y, on va lancer l'hôpital. Les morts vivants, tu t'en fiches tant que tu as ton manoir, tes serviteurs et tes vignes. Bon état d'esprit, je vois. Ah putain, ils sont en train de revenir. Ouais, donc il va falloir qu'on défende ici de manière constante. On dirait que j'ai pas pris assez de vitesse là. Voilà, parfait. On prend de la vitesse. Hop là, 400% de dégâts. Bon, on a réussi à gérer. Donc du coup, ici, il va falloir qu'on défende. Donc on va défendre, hein. On va mettre une porte. On va préparer du mur. Du mur. On va demander un petit peu d'archer. Oui, on peut pas pendant qu'il l'upgrade. Je crois que les tours d'attaque n'existent pas. Hein. Si on veut avoir des trucs qui attaquent, il faut mettre des archers dessus. Ou des arbalétriers, ou autre truc du style. Mais... Et c'est marrant parce qu'ils avaient plutôt l'air de venir de par là quand même. Ah putain! Veillez! Interceptez-le! Ça pique. Une perte, deux pertes. Putain. Deux pertes, quoi. Est-ce qu'on pourrait pas faire une petite ferme? Non, il nous faudrait du fer. Est-ce qu'on pourrait pas faire du fer? Oui. Et on n'a pas assez de bois. Ok. C'est vrai que du coup, j'ai même pas fait la cabane du pêcheur plus. Je pense que ça serait nécessaire. Bon, on va essayer d'aller voir par là-bas. Là, notre caserne est améliorée. On va demander deux soigneurs et une petite purge d'archers. Ouais, là, il y a des gens, là. Ils ont pas l'air d'avoir de catapultes, hein, pour une fois. En avant. La cavalerie là qui nous charge. Ah ouais, la cavalerie est fait mal. Hein. En arrière, là on a notre soigneur qui est prêt. Viens par là. Voir qu'il est jusqu'ici. Allez, on se fait poursuivre par la cavalerie malheureusement. Arrête-toi, toi. Soigne des gens. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, merci. Soigne des gens. Bon, il va nous falloir quelques épices, du coup. Alors, toi là-dedans. Vous là-dedans. On va faire une petite tour ici. Hop, vous là. Avec un petit peu de soigneur pour renforcer. Ok, ici, il nous faut la petite maison et une petite fontaine pour augmenter la quantité de personnes. De la bouffe. Une deuxième mine de fer. Hop. Et là, du coup, il nous faudra des péons. Et on peut commencer à upgrader ça. Non, ça coûte trop cher. On n'a plus personne là.
Ok, on avance. On a dû nettoyer un peu quand même là, je pense. Pas tant. Et on trinque pour Akatsuki. C'est parti. Ah, le son, il fait du bien quand même. Encore la panacée, si j'ose dire, mais ça fait du bien. Alors ici, on peut avoir 10% de vitesse de construction et de réparation. On prend... Alors, il y a pas mal de bouffe, c'est pas hyper intéressant. Hein. Par contre, la pierre et bien sûr les petits cristaux. Bon, lui déjà, il nous enverra plus rien. Il nous faudrait une guilde des ingénieurs. Il nous faut du fer pour ça. Est-ce qu'il commence à ramasser du fer ici? Un peu. On n'a pas fait notre obélisque du coup. On n'a pas fait notre obélisque. Faisons notre obélisque. Hop, voilà. Et on va faire de la maison. Il va nous falloir de la pop en masse. Le fossoyeur, il bosse. Il peut même pas aller chercher eux là. Allez hop, c'est parti. C'est gentil de penser à ma petite gorge à 4. Ok, le prochain assaut est pour ici. Très bien. On n'a pas autant de bois que j'aimerais, mais... On va venir de ce côté-là. Alors là, on va laisser quelques mecs pour défendre. Là, on a un petit peu de gens comme ça. On va sortir du guerrier à la hache, de l'archer pour tenir la ligne. Et on va faire une tour en bois déjà pour la catapulte. Parti. Nos troupes sont attaquées. Ah putain, oui. Oh là là, saloperie. Oh, les campements de fous qui nous font, quoi. Allez, go. On chope les mecs à la hache au passage. This is going to be fun. On va détruire et on va te mettre plutôt par là. Research complete. Allez, toi tu vas là. Alors la recherche. Hygiène, moins 25% de chance de propagation, plus 20% de déplacement. J'imagine, oui, pour les fossoyeurs. Ouais, ça pourrait être utile, mais ça coûte de la pierre, on prend. On va avoir besoin de bois, là, surtout. On va faire une porte. Ici. Allez, en priorité. La catapulte, là. Putain, en plus, elle a une portée de merde, notre catapulte, quoi, par rapport à la catapulte standard. C'est abusé. On pourrait l'upgrade pour gagner en portée. On va le faire. On est par là. Vous venez par là. Barrez-vous pas là, il faut du mur. Alors, on a de quoi faire 3 murs, donc on va faire 3 murs, hein, c'est pas grave. Il fabrique là. Ah oui, l'obélisque. Ouais, l'obélisque, ça pourrait être utile. Mon frère d'armes, une autre meute de chacal de la garde veut se régaler de la chair torturée des opprimés. Il ne réalise pas que la vérité est notre force, notre cause est juste, et mon épire vengeresse aspire à semer la mort. D'ailleurs, en parlant de ça. Viens donc par là. Je suis sûr que tu vas pouvoir kite un peu. Si on peut finir l'obélisque, on aura le petit rayon magique là. On a 12 trucs, donc on pourra en lancer 2. Et clairement, ça va aider.
Alors, finissez-moi ça, et après, vous allez faire les murs, par contre. Ah, ici, il y a assaut. Ok, c'est les cadavres qui sont revenus à la vie. Pas cool, mais moins grave, on va dire, que ce que ça pourrait être. On étend les murs. Allez. Il vous reste une minute pour terminer l'obélisque et venir faire ça en priorité. Ils sont où nos bâtisseurs là? Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Ah oui, ils étaient en train de faire la mine de fer, d'accord. Ça vous amuse? Il n'y a plus que 5 cadavres, hein, à force de les faire revenir à la vie. Petit à petit, on arrive à s'en débarrasser. On n'a pas fait de guilde des constructeurs. Si, si, elle est là, la maison des bâtisseurs, là. J'aimerais l'améliorer, mais pour l'instant, j'ai pas de pop. Donc ça me fait 4 constructeurs. Allez, prenez les murs, vous. Ensuite, vous. Par ici. Ouais, quoique, non, en fait, non, restez là. Vous allez prendre ce qui reste comme place là. Et le dernier... il va rester là. Et on va faire en sorte que ce soit nos murs qui prennent pour commencer. Même s'il pourra totalement avoir envie de passer par là. Je pense qu'on va les attirer par ici, rien qu'avec les tirs là. On va mettre un petit archer là quand même, mais... ça, on pourrait l'upgrade en priorité par contre. Ouais, je sais, vous étiez parti réparer ça, mais franchement... La priorité, c'est de tenir, n'est-ce pas? On peut faire quelques arbalétriers, on a assez de fer. Ça, c'est cool. Et on peut améliorer ça. Ça, c'est cool. Tac, tac, tac. Il nous fallait, on a dit, une guilde des ingénieurs. 70 de bois et 10 de fer. Pourquoi pas? Et piège ralentisseur, c'est... pas tout de suite l'utilité, je pense. En termes de tech, on peut prendre ça qui améliore la vie de nos... on a 90 de pierre, on a 131. Ouais, on va le prendre. Ça améliore la vie de nos fortifications en pierre, on en a pas encore vraiment, mais ça va venir. Bon, visiblement ils arrivent par là. Non, on s'en fout de ça. Ouais, c'est séparé en deux, comme je le craignais. On va les faire voler un peu. Ah putain, il y a de la catapulte. Il y a une catapulte hein, qui est quasiment mort grâce au rayon. Et ben on en met un. Merde quoi. Sérieux, faites-moi d'autres catapultes quoi. Venez par là vous. Défendre par ici, on va déplacer notre défense là. Bon, faut falloir y aller parce que semblerait-il. On a du mal là. Vas-y, charge. Hop là, recule. Qu'est-ce que vous faites vous? Jusqu'ici. Vas-y, charge. Voilà, là on pousse un peu là. Ok, c'est fait. La justice triomphe! Avez-vous entendu le doux bruit avec lequel les épines dorsales des hommes de main de la tyrannie ont été brisées? Rien n'est plus agréable à l'œil qu'un champ de bataille fertilisé du sang immonde des soldats d'un roi. C'est pas le sanguinaire pour rien, le mec, hein. Notre porte a failli céder, mine de rien. Alors attendez, là, descendez. Voilà, parfait, vous reprenez ça.
et on a récupéré notre petite armée. Allez, c'est parti, en avant par là. On va aller fouiller la zone. On n'a plus que 3 cadavres à enterrer. Et on a, je pense, ce qu'il faut là. Yes. Produire des catapultes, je pense que ça va être absolument nécessaire. Et à tout hasard, on pourrait pas faire une petite ferme. Non, il nous faut un petit peu de bois. Alors là, il y a une faille magique, mais j'ai pas encore trouvé à quoi ça sert. Enfin, ce qui ressemble à une faille magique, en tout cas. On a 5 jours de nouveau. On va continuer d'explorer par là. Ah, et on aurait moyen de mettre une défense ici. Ouais, il nous faut une ferme. Pardon. On voit qu'on consomme 126 par jour. Alors la ferme, il nous faut de quoi faire des champs autour. Voilà. Ils sont lents les mecs à hache là. Ouais, alors on pourrait potentiellement décider de défendre là. Après le fait de couper en deux, ouais mais il y a le problème c'est ça. Ouais, donc du coup, tout ça... On va détruire, sans détruire, sans détruire, sans détruire. Alors là, non, putain. Vous, vous descendez et on détruit ça. On détruit ça. Vous voulez pas détruire ça. Faut que je les resélectionne. Ah oui, mais du coup, pas eux. Semblerait-il qu'il y en a certains qui ont bugué. Et on va déplacer par ici. Alors. On va vouloir une magnifique porte des familles. Hein, pour mettre nos arbres à l'étrier dessus. Vous êtes où, vous? Ok. Il ne reste plus tant de temps que ça pour nettoyer la map. Hein. Let's go, champion. On my way. Essayer de finir de fouiller par là. En termes de bouffe, on en produit 100. Hein. Ouais, donc avec la ferme, ça va aller. Ça devrait être suffisant. Pas de camp avec des catapultes ici. Est-ce que on a terminé notre guilde des ingénieurs? Oui. C'est parti, on va faire des catapultes pour nous accompagner. Let's get to it. Ici il y a un assaut. Un cadavre, ok. On dirait qu'en éliminant le petit avant-poste ici, on a arrêté les assauts. Et merci d'être passé, Akat. Amuse-toi bien du coup sur ta future découverte de ce jeu. Et je trouve bien sympathique. Très très bien sympathique même. Allez, on va laisser les mecs arriver devant. Voilà, c'est parti. Est-ce qu'on peut pas se faire une petite tech? On a pris la caserne 2. Oui, on a pris la caserne 2. Il nous faudrait du bois pour avoir la guérison. Ou du bois. Ou du fer. Ok. Pour le moment... On n'a pas ce qu'il faut, on va laisser les réserves continuer de grandir. Au niveau des scieries, on pourrait détruire pour te refaire là. C'est quoi ça? Un petit cristal là? Ah non, ça doit être un mec qui bosse. Toi, je t'ai détruit, oui. Ici, on en est où des scieries? On pourrait détruire pour te mettre là. Et au passage, on pourrait faire probablement...
Un petit entrepôt ici et une autre scierie là, ce serait peut-être bien. Ici on continue d'avancer, attention, il y a un moment où on va tomber sur les catapultes. Hein. Ou alors sur des murs, enfin sur des falaises. Ouais, on va leur arriver dessus. Donc demi-tour, enfin demi-tour. On va aller récupérer elle. Alors du coup, portée d'attaque c'est 5-14. Et toi, si tu descends là, c'est 4-10. Ouais, en plus elle attaque moins loin, on est d'accord. Vous montez donc sur cette sympathique petite porte des familles. Ok, il y a ici des gens qui décident de nous attaquer, qui viennent probablement de là-bas pour le coup. Montez sur la porte, vous. Ok. On va rajouter les catapultes à notre petite force. Et ça, vous. Vous descendez. On va le détruire également. Tac. Tac. Pas la peine de venir le réparer. On va déplacer notre défense là. Une tour derrière dans laquelle on mettra probablement une catapulte à terme. On va rester sur des murs en bois pour le moment parce que ça coûte quand même hyper cher ces conneries. Et salut Zikinowo, bienvenue sur le live. Qu'est-ce qu'il donne? T'avais testé la démo il y a un an? Bah écoute, je le trouve vraiment très sympa moi personnellement. Très agréable à jouer. Et là, du coup, on teste la campagne qui est disponible en preview. Là, juste, j'y ai accès en preview pour... Ah, on a plus de poissons ici. Je la teste juste en preview pour voir un petit peu ce que ça donne. Elle n'est pas complète, mais elle est néanmoins plus avancée que ce qui est disponible actuellement. Et du coup, j'ai choisi de jouer les méchants. Enfin, les méchants. J'ai choisi de rejoindre le peuple contre le roi. Et bah c'est vénère. C'est carrément vénère. Allez, on va charger ici. Il faut péter ces catapultes. On n'a pas ce qu'il faut, mais on peut invoquer des mecs sur leur mouille. Oh putain, il y a du monde quand même. Hein. Mais la vache, il y a carrément du monde. J'aimerais bien péter les catapultes au moins. Et notre ligne de front est enfoncée. Il faut reculer. Est-ce qu'on va se faire défoncer? Ah la charge! Ah la vache, on n'a plus rien. Et en plus, il leur reste des catapultes. Putain, les machines de siège royal, elles déconnent pas. Hein. Ouais, là, il nous faut de quoi défendre. Là. Il nous reste quoi? 13 mecs. Deux comme ça, ouais, c'est pas la priorité. Des arbalétriers, c'est la priorité. Ah mais non, mais... Il a décidé de faire demi-tour pour prendre la porte parce que c'était plus court, mais... Il a dit que ça passe. Hein. Voilà, toi. Ouais. Faut envoyer plus de peuple. Hein. Bah, ouais, j'avoue, mais il faut pouvoir. Ici, on va upgrader nos maisons, d'ailleurs. Ça va nous consommer un peu de ressources, mais c'est pour le mieux. Même si niveau bouffe, bah, c'est pas si mal. Une fois qu'on aura ça, ça sera pas si mal.
descends pour aller là. Avant que le mur tombe. Putain. Alors là ça va être le one shot, non même pas. Ok, bon bah on va tenir avec ce qu'on a ici du coup. On va sortir les archers. Et notre petite armée s'est faite décimer la tronche. On peut utiliser ce terme sans trop s'avancer. On va améliorer un grenier parce qu'il nous faut un peu plus de nourriture. Il se donne des maisons de luxe aux paysans qui mènent la révolte. C'est moi le paysan qui mène la révolte. Je leur donne des maisons de luxe si je veux. Ici, il nous faut de l'or si on veut améliorer ça. Et l'or, pour en trouver, le seul moyen quasiment, c'est via le... C'est via le marché. Alors, on a un petit peu de bois. Donc, on va faire notre mur jusqu'ici. Allez, on a de la pop, on va faire du lancier du coup. Armure plus lance, je pense que c'est pas mal. Ça, ça coûte quoi? Ça coûte rien, on va le faire. Et on va refaire quelques catapultes pour commencer à remplir nos trucs. Les gars, ça va bientôt devenir roi et faire une guerre royale. Bah en vrai, normalement, il y a lui, là, Scott le Sanguinaire, qui est le leader des rebelles, qu'on a décidé de rejoindre. C'est censé, il était censé prendre la place du roi, mais il s'est foiré, en fait. Il s'est lamentablement foiré. Et on se retrouve pas bien. Et poursuivi par le roi, notamment. On peut faire une deuxième caserne, il nous faudrait plus de bois. Est-ce qu'on peut faire une petite scierie pour exploiter cette forêt? Ça me plairait bien. Et là... Ok, on fera jamais ça, c'est pas la peine. En tout cas pas en l'état actuel. On fait 152 de bouffe et on en consomme 135, c'est pas mal. Et du coup on n'a plus du tout de magie. Ce qui n'est pas cool. Sachant que je pense que les grandes tentes, là, génèrent des ennemis. Alors, la prochaine vague, elle est jour 15. Ok. On a 9 lanciers aux arbalétriers, 3 catapultes, 3 archers qui traînent. Les archers qui traînent, on va les envoyer là. On se prend quelques guérisseurs. Ça, on peut l'upgrade. On va l'upgrade. Alors, catapulte. Une catapulte là-bas. Une catapulte ici. Et une catapulte. On n'a pas d'autre tour pour le moment. Et ici, il y a la vieille catapulte rebelle. Mais bon, voilà. Donc, on va l'envoyer avec notre armée. On va se faire encore un peu plus de troupes. Allez, c'est la nuit. Alors, ce sera rigolo que eux reviennent à la vie et attaquent le campement, mais j'ai l'impression qu'il faut genre 2-3 jours pour qu'ils reviennent, donc... c'est un petit peu long, en vrai. Alors, le jeu nous prévenait, hein, en prenant le parti des rebelles, ça allait être plus difficile. Hein. Améliore ça. Tire sur un truc, toi? Ah, putain, t'attires du monde. Ok. Pourquoi pas. Pareil là. Limite, ça me va. Ok, t'as réussi à mettre au moins un coup.
Tiens, il y a un bug, normalement il devrait pas pouvoir tirer sur ça. Allez, notre armée progresse ici. Il nous faudrait un peu plus de greniers. On va faire un grenier par là. Là, on voit que... on peut stocker 200 de bouffe et quand on consomme 172, donc c'est un petit peu short. Allez, on va se mettre en marche avec eux. Là, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va même se mettre là et on va prendre un petit lancier là. On va voir si on peut essayer d'attirer du monde. Vous restez en défense. Alors il prend pas beaucoup de dégâts des catapultes, ça c'est cool. Il se fait bousculer mais il prend pas beaucoup de dégâts. On peut le faire courir. Youhou ! Ah, je me suis fait toucher. Et ouais, à mon tour de taquer. Le mec qui s'enfuit avec son cadavre sur l'épaule. Alors on va pas se mentir, ça va être un peu long, hein, mais... Vu comment on se fait matraquer la tronche dès qu'on s'approche, ça me paraît compliqué, on va dire. Ah, il y a où ? Il y a un assaut là. Un gros assaut là. C'est vrai qu'il est proche lui du coup. Bon, du coup, faut qu'on se bouge. My orders. They are attacking again. Understood. Les lanciers sont quand même vachement plus efficaces du coup en termes d'armure. Là, tirer sur ça. Ah, puis elle... ah mais j'avais pas vu, il y a la vague qui va arriver là. Dans 20 secondes. Ah, moi, se faire défoncer. Ok, ici. Faut venir par là. Il nous faut du lancier. Il nous faut de l'arbalétrier. Ok, ça va être la merde. Il faudrait qu'on se replie ici, sauf qu'on est beaucoup trop engagé. Tant pis, on va se replier quand même. Courir jusqu'ici. On va avoir des pertes du coup, probablement, mais... nous sommes à court de nourriture. Comment ça, on est à court de nourriture? Faut arrêter les conneries, là. La carrière de pierre est vide. Oui, bah, toi, c'est bon, on va te détruire. Okay, voilà. Les gens sont affamés. Oui, oui, bah on va en faire de la bouffe. C'est bon, on se détend. On se détend, on se détend. Pour l'instant, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on se fait un petit peu attaquer la tronche. Et on a zéro défense pour défendre. Zéro défense comme dans zéro défense. Ah putain, l'armée de cavaliers en plus.
Ce qui est cool, c'est qu'au moins les lanciers vont être extrêmement efficaces contre ça. Ici, il nous envoie des petites merdes survivantes, mais ça devrait aller. Il y a 177 sur 200 de bouffe juste avant l'attaque. Ouais, mais du coup, comme ils en consommaient 177, c'est tombé à zéro. Peut-être un petit peu plus, du coup, ils consommaient. Ok, ici, il y a quoi? De la petite merde qui devrait se faire assez facilement démonter. On va remonter par là avec ce qui nous reste. D'ailleurs, on va sectionner tout ça. Et on va remonter avec eux. On va rajouter... on a de l'arbalétrier qui est en train de se faire, parfait. Donc ici, il nous faut une nouvelle tour. Mal placé ma tour, là. Une nouvelle tour bien placée et de la muraille. Alors en vrai, non, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller gérer cette zone. Regroupez-vous par là. Et mort-vivant, ils nous attaquent nous. Pas les vilains. On va faire quelques soigneurs, encore un petit peu de lanciers. Et par là, vous. Allez, en avant. En plus, il faut qu'on bute ces saloperies, pour, ne serait-ce que pour pouvoir gérer... comment ça s'appelle? Alors, attendez, on va enlever. Hop, deux comme ça, voilà. Comme ça, on a quatre mecs. On peut faire pas ça, pas ça. Une ferme. On va le détruire. Voilà. Hop, hop, hop. Hop. Voilà, une petite ferme. Alors avec tout notre truc, on peut faire quoi comme techno? Bah rien de très intéressant. Ah si, c'est quoi? 30 vitesses d'entraînement, 30% de zone d'impact. Bah oui, carrément cool. Finissez-moi ça là, elle est presque morte, elle fait continuer de faire du DPS, bande de débiles. Voilà, les catapultes c'est fait déjà. Ah putain, on se fait attaquer par la catapulte, on a trop avancé. Reculez un peu. Non, non, reculez. Ok, la ligne de front a pris cher, mais au moins on a géré la partie catapulte. Il nous faut donc du mec comme ça. Alors, revenez par là, vous. On va laisser les catapultes faire le taf. Voilà. Toi, tu vas derrière. Vous là. Tac, il nous faudrait une ou deux autres catapultes, mais on n'a plus de pop, il va falloir attendre. La nouvelle journée, alors avec tout ce qu'on a comme maison, comme bois là, on va refaire encore quelques maisons. Ça, on détruit. On rapproche. Et là tu vois, on n'est pas passé loin de se retrouver de nouveau à poil. Tirer sur ça plutôt là. Des catapultes ou non? Voilà.
Tous ces petits cristaux là qu'il va falloir qu'on aille chercher. Prochaine vague c'est jour 20, on est jour 16, ok. Et c'est la cinquième. On va peut-être commencer à aggro des trucs là-bas du coup. Ok, on se réorganise. On va commencer à tirer un petit peu d'ennemis avant d'aller chercher les catapultes. Ah mais il y a un deuxième campement, putain. Il va crever lui, hein. Il va se faire choper par les deux cavaliers là. Pas moyen d'y faire quoi que ce soit. On va reprendre quelques lanciers pour nous aider. Il est pas plein notre cimetière alors. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ok, ils sont en train de faire le taf. Très bien. On avance un petit chouille. Oula, Urinary Bob, mob. Merci Wisebot d'avoir banni ça. Je sais pas ce que c'était, mais effectivement, ça me semble pas hyper sympathique. Allez, faut sniper ça. Vous avancez jusqu'ici. Pareil, vous me snipez ça maintenant. Me sniper ça, j'ai dit. Les autres sont carrément à l'arrière, malheureusement. Ouais, on a oublié d'avancer beaucoup trop en arrière. Alors, bordel de saloperie, on va leur invoquer. Vu qu'on a récupéré deux cristaux, un truc dans leur tronche, on a beaucoup trop de bois. On a beaucoup trop de bois. Qu'est-ce qu'on peut faire avec beaucoup trop de bois? Mettre à jour les entrepôts. Faire des recherches. 30% de santé pour les lanciers, on prend. Améliorer nos entrepôts. Voilà. Détruire une ou deux scieries. Mettre à jour ça. Mettre à jour ça. Il nous faudrait un marché. Comment on fait le marché? 45 de pierre, il faut, ok. On va attendre d'avoir un petit peu de pierre. Ah non, on a pas du tout assez de lignes de front, c'est un truc de fou comment ils nous défoncent. Et là-bas, même nos trucs invoqués, je suis pas sûr qu'ils aient pu faire quoi que ce soit. Ça consomme du fer, même pas du bois du coup. C'est con. Bon, on a 8 lanciers. Est-ce qu'on peut tenter d'aller nettoyer ce petit campement-là? Est-ce qu'ils ont des catapultes aussi? Ils n'ont pas l'air d'avoir des catapultes déjà. Ça va être cool. On va changer un peu. Ouais, va chercher tout ça. On s'en fout. Prends la magie. Voilà. On ramasse les ressources au passage. Très bien. Ok.
On a 58 personnes disponibles. Du guérisseur, de l'arbalétrier, du lancier. Pas assez de fer. Est-ce qu'on peut faire des catapultes? Des catapultes. Masse de catapultes. Est-ce qu'on peut faire notre marché? On peut faire notre marché. C'est parti pour un marché. Hop là. Essayer de voir un petit peu ce qu'on a d'autre, si on a d'autres campements faisables. Ici, on va peut-être essayer de les attaquer par derrière, du coup. Enfin, et là, on n'a rien fouillé encore. Hein. Ça se trouve, il y a encore un paquet de campements pour ce qu'on en sait. Alors, la recherche. On peut améliorer nos guerriers à la hache. J'aimerais bien améliorer ça, mais il nous faut plus de fer. Est-ce qu'on pourrait pas faire plus de fer? Où est-ce qu'on a des mines de fer? Une mine de fer là, une mine de fer là. Ouais, pourquoi pas. On a encore deux ici. Pas mal, ça. On va faire un petit entrepôt là pour pouvoir le stocker vite. Et à tous les coups, la prochaine vague va arriver ici, vous allez voir. Ah non, on peut pas passer. C'est en bord de map, hein, dommage. Éventuellement par là, par contre. On va aller se faufiler jusqu'ici. Une carrière est vide. Ok, il nous en faut d'autres, des carrières de pierre. Il y en a des plus protégés que ça. Là c'est où? Ouais, c'est pas forcément ce que j'appellerais protégé, mais il y a un entrepôt pas loin, donc on va se mettre là. On voit que la pierre, c'est pas simple non plus. On va arrêter notre épisode de VOD là par contre, il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment, je bois un petit coup. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.